Oui, Miss Scorpion, ben c'est à votre tour pour le tirage général pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que les vacances se sont bien passées. Je voulais vous dire toute ma gratitude pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Nous en sommes, enfin, ce matin, nous en étions à 121 abonnés. C'est merveilleux. Pour moi, c'est énorme. Voilà, donc grande gratitude à vous. Eh bien écoutez, on va commencer le tirage. C'est un tirage général, hein, donc prenez vraiment avec discernement. Voilà, donc nous allons commencer avec l'oracle, la voix des âmes pour les énergies du mois de septembre pour les scorpions. J'ai dit Capricorne? Non, scorpion, hein, scorpion, hein. Scorpion. Scorpion, les Capricornes, c'était avant. Pour les scorpions, septembre 2021, s'il vous plaît. Scorpion, septembre 2021, quelle est leur énergie? Quelles sont leurs énergies? Allez, scorpions, gratitude. Scorpion. Oh, vous avez la peur. Vous avez peur de quelque chose, les scorpions. Alors, qu'est-ce que vous avez peur? Ben, nous allons voir ça avec les messages des anges. Parce que la peur, c'est vaste. Est-ce qu'on a peur d'une rupture de contrat? Est-ce qu'on a peur d'une séparation? Est-ce qu'on a peur? On a peur de soi? Voilà. La peur, c'est vaste. Mais vous êtes dans le bon mois pour résoudre cette peur. Moi, je vous le dis. Allez, les anges, un message pour les scorpions. Scorpion, septembre 2021, s'il vous plaît. Aurais-je un message, mes anges, s'il vous plaît. Aurais-je avoir un message? Voilà, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, je prends celle qui est tombée sur mes genoux. Voilà. Eh bien, ça vous dit, utilise ma force pour cheminer. Alors, auriez-vous peur d'avancer trop vite ou de faire des mauvais choix de carrière, peut-être. Donc, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et oui, est-ce que vous avez des projets et que vous avez peur de ne pas pouvoir les réaliser? Donc, écoutez, votre ange, il est là pour vous aider à avancer dans vos projets, que ce soit sentimental, général, général en tout. Voilà. Très beau message des anges, hein? Allez, un petit message des petits anges. Un petit message des anges. Qu'est-ce qu'il vous dit de plus? Ah, oh. Il vous dit gratitude. Dites gratitude. Dès que vous avez quelque chose, dites gratitude. Ça marche à tous les coups. Une gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est magnifique. Magnifique. Voilà mes amis scorpions. Je ne me trompe pas parce que là, j'ai eu tellement un super beau tirage avec les capricornes que je vous souhaite d'avoir le même. Alors, nous allons voir ça donc avec les médéores. Ce qu'ils ont à dire, le message, c'est mon pendule qui va vous tirer quelques cartes pour vous donner un message pour les scorpions 2021, septembre 2021, s'il vous plaît. Ouais. Je fais travailler mon petit pendule et il ne me déçoit, mais alors, pas du tout.
depuis quelque temps que je l'utilise pour faire les tirages généraux. Allez. Voilà, c'est bien mélangé, c'est bien mélangé, c'est bien mélangé. De toute manière, je peux mélanger, mais c'est mon pendule qui choisit les cartes, donc il prend vraiment au hasard. Allez, on les étale bien. Voilà, j'espère que vous les voyez toutes. Voilà. J'essaye de les ouvrir, elles sont pas faciles à étaler, hein. Donc évidemment. Allez, mon petit pendule, à nous de jouer. Allez, mon pendule. Scorpion, septembre 2021. Quels sont les messages pour les scorpions? Message pour les scorpions, septembre 2021, s'il te plaît. Est-ce que c'est cette carte? Gratitude. Scorpion, septembre 2021. Qu'avons-nous à leur dire comme message? Allez. Gratitude. C'est bien cette carte. Gratitude. Scorpion, septembre 2021. Scorpion, septembre 2021. Qu'avons-nous comme carte? Comme message. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est cette carte? Une gratitude. Allez, scorpion. Oui, Scorpion. Scorpion, septembre 2021. S'il te plaît. Allez, tu danses, tu danses, tu danses, mais vas-y. C'est bien, merci. Est-ce que c'est cette carte? Est-ce que c'est bien cette carte? Gratitude. Allez. Est-ce que nous en avons d'autres? Il danse, hein? Ouh là 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 là. Il danse, mon pendule. Gratitude. Est-ce que c'est cette carte? Est-ce que c'est bien la carte? Gratitude. Alors, est-ce que nous avons d'autres messages, s'il vous plaît? S'il te plaît, mon pendule, est-ce que nous avons d'autres messages pour les scorpions, septembre 2021, s'il te plaît? Septembre 2021. Je pense que c'est bien celle-ci. Gratitude. Est-ce que nous avons d'autres messages pour les scorpions septembre 2021?
Est-ce que c'est bien cette carte? Gratitude. Encore. Est-ce que vous avez d'autres messages pour les scorpions, septembre 2021? Il y a d'autres messages pour les scorpions 2021. Scorpion, septembre 2021, est-ce que tu as d'autres messages, mon pendule? Gratitude. Est-ce que c'est bien cette carte? Gratitude. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les scorpions, septembre 2021? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les scorpions, septembre 2021? Est-ce que c'est cette carte? Excuse-moi. Est-ce que c'est cette carte? Gratitude. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Que c'est cette carte? Gratitude. Il a des choses à vous dire, hein, les scorpions. Waouh! Est-ce que c'est cette carte? Gratitude. Est-ce que c'est cette carte? Gratitude. C'est cette carte. Est-ce que c'est cette carte, mon pendule? Gratitude. Ben dis donc. On n'en finit plus là. Est-ce que c'est cette carte? Gratitude. Alors dis donc, c'est vraiment ça. Hein? Allez, c'est bon. Allez, gratitude, mon pendule. Ouf! Allez, on va voir ce qu'il y a en dos de deck. Et ouais, travail, entreprise. Donc vraiment,
Vous avez peur de ne pas réaliser, à mon avis, votre projet. Voilà, donc on va voir ce que nous a donné chakra du cœur. Acceptation. Chakra de la gorge. Ralentissement. L'enfant intérieur. Libération d'un blocage. Parce qu'il y a un blocage karmique, évidemment. Amour de soi. Tristesse. Besoin d'ancrage. Oh, vous êtes le premier signe à avoir eu tant de cartes. Hein. Moi, je. Famille proche. Potentiel exacerbé et lignée familiale. Bon, et bien avec tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? Alors, vous faites l'acceptation. Vous avez le chakra du. Vous ouvrez votre chakra du cœur. Donc, pour ça, vous allez faire quelque chose avec amour, un projet avec amour. Donc, votre chakra du cœur est ouvert et vous l'acceptez. Vous acceptez ce changement dans votre vie. D'accord? Et aussi, ainsi, et aussi, oui, votre chakra de la gorge va être ouvert. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer en toute liberté pour pouvoir créer, faire votre création d'entreprise qui est là. Ouais. Le dos de deck, il est magnifique. Voilà, donc après un ralentissement, hein, donc il y a eu un ralentissement, bah, votre peur, hein, vos peurs hein, vous ont un peu ralenti dans votre élan. Votre enfant intérieur, regardez cette magnifique lumière, votre enfant intérieur se réjouit parce que vous vous libérez d'un blocage. D'accord? Regardez, le petit papillon s'envole. Et surtout, c'est un blocage karmique. Donc, ça vient de peut-être d'une vie antérieure ou d'une personne avec qui vous y étiez, qui vous est, qui vous étiez ou qui vous êtes, et qui vous bloquait. Je vais y arriver. Car vous avez l'amour de vous, quoi. Hein? Il faut d'abord avoir l'amour de soi pour réussir. Et ne plus être dans la tristesse, dans la peur de ne pas réussir son parcours. Vous allez vous ancrer, donc méditation, méditation, méditation. Hein, sur YouTube, il y a toutes les méditations possibles, inimaginables, pour bien dormir, pour vous ancrer, pour ouvrir vos chakras du cœur, vos chakras de la gorge. Ici, faire des soins énergétiques aussi, vous pouvez. Donc, si vous avez besoin, eh ben, je peux vous en faire. Vous ouvrez les chakras, je peux vous les rééquilibrer, il n'y a aucun souci. Donc, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos, il n'y a pas de souci. Et ceci dans le trimestre en cours. Donc, septembre et le premier. On est en plein dedans. Voilà, on plonge. Hein. Vous êtes soutenu par la famille, des liens proches, hein, des amis, enfin voilà, tout ce qui est autour de vous qui forme votre cercle familial. Parce que vous avez quand même votre potentiel exacerbé. Donc, de toute manière, là, tout le monde va être là pour vous soutenir dans voilà, votre lignée familiale. Hein. Vous êtes vraiment entouré par la famille. Parce que tout le monde vous sent un peu à fleur de peau, quoi. Voyez-vous? Lignée familiale, famille proche, donc peut-être les amis, les lignées familiales, donc la famille, quoi. Ok? Parce que tout le monde vous sent un peu à fleur de peau. Et c'est pas mal tout ça, hein? Donc arrêtez d'avoir peur et foncez, quoi. Foncez. Vous faites la peur, ça sert à rien. Moi, j'avais peur avant de commencer, puis maintenant, ben, voyez-vous.
Je parle avec vous comme un livre ouvert. Voilà, parce que bah oui, vous voulez créer quelque chose, vous voulez faire avoir un travail. C'est peut-être aussi vous êtes au chômage et puis que vous avez peur de ne pas trouver de travail. Mais là, vous allez en trouver. Pour votre être aimé, pour l'être aimé, vous allez vous bouger. Vous bougez. Hein, il va y avoir quand même un événement proche. Un événement proche. Là, il va être, et ça va être l'heure. Hein, le mois de septembre, vous allez. Ça va se métamorphoser. Parce qu'il va y avoir quand même un nettoyage profond. Hein, un nettoyage énergétique. Les ancrages, besoin d'ancrage. Tout est lié, hein, tout est lié, tout est lié. Il y a pas de fausse note. Hein. C'est vraiment. Et vous allez sortir enfin de cette stagnation. Et de plus avoir peur d'avancer. Et voilà. Et vous allez concrétiser quelque chose de beau. Hein, vous avez peut-être des réponses qui tardent. Ben oui, mais qui n'a pas de réponses qui tardent? Elles vont arriver au mois de septembre. Voilà. D'accord, mes amis scorpions? Alors, pas d'inquiétude, ça bouge. Merci, gratitude à mon pendule pour tout ce long, long et très long message. Mais il en avait à vous dire, quand même. Voilà, allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Voilà. Et regardez, l'enfant intérieur, moi j'adore cet enfant intérieur. C'est la joie de vivre. Allez. Ah, j'ai pas tiré. Ben tant pis. J'avais pas tiré. J'ai oublié de tirer la carte. Je fais. Mais non, j'ai pas. Non, je le fais. J'ai pas oublié, je le fais. Oula, Valérie. Ah. Je ne sais plus où j'en suis. Allez. C'est pas grave, docteur. Ça prend beaucoup d'énergie, mine de rien, le pendule. Et ça nous prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein. Mais de la bonne énergie, parce que le tirage est magnifique. Voilà. Merci. Gratitude, mes anges. Et nous avons. Regardez, vous allez être la star, vous allez être l'étoile, vous avez l'étoile au-dessus de vous, vous avez la chance, l'étoile, tout va vous réussir. L'étoile, ça veut dire merci, et c'est la carte 17. L'espoir, il jaillit du néant pour éclairer notre chemin et soulever le regard. Foi, espoir, grâce, beauté, signe propice, indication, ambition. Qu'est-ce que je vous disais donc, tout va pour le mieux. Voilà, donc là, maintenant, nous allons faire l'oracle des miroirs. Allez, oracle des miroirs pour les scorpions. Scorpion, septembre 2021, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges et tout l'univers. Qu'avons-nous pour les scorpions? Ah, je suis ravie de mes tirages de ce matin. Je suis, ouais, ils vont vous apporter vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir et j'en suis ravie. Pour les scorpions, septembre 2021, mes guides, mes anges, mes archanges, tout l'univers. Comme pour les scorpions, septembre 2021, s'il vous plaît. Septembre 2021, pour les scorpions. Il n'y a pas de message annexe. Avec tout ce qui est tombé avec les météores, ça m'étonnerait qu'il y ait des messages annexes là. Hein. Voilà. Allez, on y va. Scorpion. Le verdict est tombé. Donc, des bonnes nouvelles peut-être qui arrivent.
vous projeter. Faut réaliser par contre, hein. La famille est présente. Le retour d'une situation. Elle était sur du retard. Nouveau projet. Allez, liquide. Et ouais, la tranquillité. Vous allez avoir la tranquillité, mes scorpions. Ah. Alors? Eh oui, c'est pour du travail. Eh oui, voilà, c'est votre projet. Allez, vous allez choisir le bon chemin. Et en d'autres decks, eh ben oui, on vous dit, c'est qu'il est l'heure, qu'il est temps. Vous l'avez eu là, en d'autres decks aussi, hein. Vous l'avez eu en d'autres decks aussi, hein, qu'il est l'heure, qu'il est temps. Voilà, événement proche, événement proche. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà, vous voyez bien toutes les cartes, il me semble. Il y a un reflet, là, je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être la fenêtre. Voilà. Donc, oui, vous avez un verdict sur promesse d'embauche ou création d'entreprise. Vous vous projetez. Oui, vous vous projetez, mais il faut ouvrir les deux yeux. Hein? Parce qu'il y en a un qui a les yeux ouverts, mais l'autre, il a les yeux fermés. Donc, ouvrez bien les yeux. Hein? Et ça, vous faites ça pour votre famille, vous faites ça pour vous, pour le lien familial, quoi. C'est, voilà. Il va y avoir un retour d'une situation qui a mis du temps, mais qui revient. Un nouveau projet. Donc, est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte, ouvrir une micro-entreprise? Voilà. Scorpion, je ne connais pas votre situation, c'est à vous, mais enfin, vous allez avoir la tranquillité, parce que le travail, ben, vous allez en avoir, et tellement que vous allez en avoir, il va falloir faire le bon choix, n'est-ce pas? Voilà, allez, on va prendre l'oracle du le Normand, et vous êtes, hein? Vous avez l'étoile au-dessus de vous, hein? Donc il n'y a aucun souci, hein? Aucune peur, hein? Il n'y a plus besoin d'avoir des peurs. Les scorpions, c'est bon, quoi. La peur, vous pouvez la mettre au fond de la cave, hein? D'accord? Allez, les scorpions pour septembre 2021. Scorpion, septembre 2021. Quel cas pour nous pour les scorpions, septembre 2021. Qu'est-ce qui est tombé? Eh bien oui, encore le choix. Ne vous trouvez pas de chemin. Ne vous trouvez pas de chemin. C'est tout. Allez. Hop. Scorpion, septembre 2021. Et vous avez la chance qui vient de tomber à mes pieds. Voilà. La chance. C'est magnifique. Allez. Hop. Et nous avons encore l'étoile. Hein. Moi, je ne sais pas, mais... septembre pour les scorpions, ça va être bon, hein. Ouais. Il y a un homme charnel, sexy, dans les environs pour les femmes. Hein? Ou ça peut être la femme aussi, hein. Ou ça peut être l'homme aussi, hein. Peu importe. Hein? Fin des disputes. Tout va rentrer dans l'ordre. Signature. Signature de contrat. Signature d'acte. Et oui, vous étiez, vous aviez des doutes, hein, vous étiez dans l'incertitude, voilà, mais non, 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 ça va venir, ça va venir. Voilà, vous inspectez les différentes possibilités, ce
ce qu'on vous offre. Attention au piège quand même. Et ouais, déménagement, nouveau projet. Allez, on synthèse, qu'est-ce que nous avons? Voilà, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page à votre livre. Magnifique. Et en dos de deck, nous avons les discussions. Et derrière les discussions, nous avons la force de l'ours et la prospérité. C'est magnifique, hein? Et ensuite, ben, nous avons quand même les poissons, qui avec les poissons fait du remue-ménage quand même. Hein? Ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, avec l'oracle G. Pour les scorpions, c'est en 2021, s'il vous plaît. Scorpion, c'est en 2021. Qu'avons-nous? S'il vous plaît, Mickey. Scorpion, septembre 2021. La peur, ça n'a jamais aidé grand monde. Hein. Ça a toujours nuit, surtout à beaucoup de monde. Se lancer dans le vide. Si j'avais le tarot, je dirais faites le fou, quoi. Lancez-vous dans le vide. Allez, Scorpion 2021, il n'y a pas de message annexe. Hein. Donc on va y aller. Allez, hop, on est parti. Scorpion, septembre 2021. Ouais. Ça vous a miné, hein. Attention, faites quand même des examens médicaux. Hein. Ouais, parce que ça, pour vous, vous trouvez que ça a été lent. C'est lent. Donc, est-ce que c'est vous, une jeune femme de 35 ans, ben regardez, vous avez quand même l'abondance qui arrive. Vous avez la force. C'est monsieur le consultant. Non, le banquier, je ne sais plus, je vais voir. Oh, j'ai vu la dernière carte, elle est trop belle. La 50, il me semble que c'est le banquier, quelqu'un. Ah non, c'est le consultant, c'est bien vous, monsieur ou madame, le consultant. Donc, ouais, attention à la trahison, hein. Y a des jaloux, évidemment. On va essayer de vous couper l'herbe sous le pied. Alors, est-ce que c'est cette personne-là? Une jeune femme de 30-35 ans qui médit sur vous, qui fait de la médisance. Un jeune homme de 30-35 ans aussi. Voilà. Et en synthèse, ouais, vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Je vais voir ce que veut cette personne. Ouais. Alors, ça me dit pas grand-chose. À part que c'est, elle va partir, cette personne. Est-ce que cette personne va partir et vous allez pouvoir avoir sa place? Elle va partir se reposer à la campagne. Et cette personne, ce jeune homme, ben, il va vous aider parce qu'il a, dans son entourage, il a une personne sage autour de lui qui vont vous donner de bons conseils, quoi. Voilà. Sur la santé, je vais vous en remettre une quand même. Et ouais, et sur la santé, on me dit la santé. Alors, les scorpions, faites attention à vous quand même. Hein. Vous allez vous transformer de toute manière, il n'y a pas de problème. Mais faites un check-up quand même. Il y a certains scorpions que ça les a bien minés. Voilà. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. Hein, il n'y a pas péril dans sa demeure, comme on va dire. Faites un check-up. Prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire si le tirage vous a parlé. Un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, un petit partage. Et puis moi, je serai la plus heureuse du monde. Voilà. Je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe. Prenez vraiment très, très, très soin de vous.